percevoir quelque chose quand on sera éloigné de ces grands bâtiments. Et salut à toutes et à toutes, c'est Tido, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Battlefield 3. Allez, c'est parti. Merde, la route est bloquée. Merde, la route est bloquée, c'est pas cool. Y a une petite rue, sur la droite. Ça va être serré. Eh, ça va être serré un peu comme dans ton cul, mon frère. On y va. Allez, c'est parti. Attendez, est-ce que je peux tuer? Ah merde, il refait quand même des dégâts, le con. Bon, allez, il serait déjà mort, normalement, dans la vraie vie, mais ce n'est qu'un jeu. Je vais faire un tueur de chat. Je sens vraiment très mal. Pierre, ramène ton cul en bas. On va fermer les trappes. Sans infanterie, on avance à la bug. J'ai ramassé une poubelle, c'est cool. Les poubelles même. Tu mais veux non, te faire buter elle par n'est un même plus. De mieux en mieux. Lance-roquette identifiée. Sur le toit. Engagé, engagé. Merde, bien. On est touché. Chauffeur, faites-nous sortir de la merde. 3-3 touchés. 3-3 touchés. Mais toujours opérationnel. Non, ça va, c'est le soldat. C'était un chat? Ouais, je l'ai vu aussi. La banque est par là. Ah, la banque. Ah, non. Je crois qu'on est crevé, hein. Attendez. Ça, c'est on pas a été ami. Touché. On a pas l'air trop grave ici. Tirez et ajustez. Adieu. Voilà, on est encore mort. Ils nous prennent pour cible. Ah, du coup, tout ce que j'ai passé là, c'était des ennemis. Laissez-moi passer. Je dois sauver mes amis. Ah, c'est bon. Missile en approche, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Interdisez le courant, vite. Tout le monde va bien? Non, ça va, c'était pas un lance-roquette. Pierre, il fait un haut. Va voir ce qui se passe. Ennemis le regarde, est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Ma vision nocturne. Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas. Branche-nous. C'est fait. Je vais faire un tronc. Regardez. Écoutez. C'est pas pour nous. On a peut-être une bombe atomique ici. Vous imaginez merde. Merde. Bombe atomique. Bien reçu. On doit s'assurer que ces fumiers mettent pas la main dessus. Bien compris. On fait ce qu'on peut. Je repasse sur le canal des opérations. Je répète, ici 740. On arrive dans 30 secondes. Préparez-vous à évacuer, bien reçu. Allez, je suis prêt. I am fucking ready. On a votre position en visuel, Miss 813. Nous avons sur charge avec des blessés.
And now you're going to die. Bon, il y en a encore des zoulous, bon. Ah ouais, c'est mort. Ou pas. Bonjour, Monsieur Miller, c'est ça? Les Américains, leurs souvenirs. C'est à votre fils? Sûr, il y a son nom dessus. Johnny Miller. Ça doit lui manquer, sûrement un peu. Ouais, les gosses ont tendance à s'attacher à ce genre de choses. Et lorsqu'ils les perdent, ils pleurent. Ils sont inconsolables, ouais. Et pourquoi? Parce que ces petits objets leur rappellent qu'on les aime. Mais la perte fait partie de la vie, n'est-ce pas? La perte comme la mort font partie de la vie, et les enfants doivent l'accepter. C'est le caractère inévitable de la mort. Inévitable. Mon père me le répétait souvent. Vous, vous serez donc un héros pour vos enfants. J'espère que ça vous réconforte un peu. C'est bon, on y va. Honte sur vous. Vous venez nous assassiner dans notre pays. Et pourtant, nous sommes les terroristes. Lorsque nous tentons de protéger notre nation et notre peuple, voici le prix que vous allez payer. Oh non, ils ont tué Miller, en plus au couteau hein, même. Du coup, il a bien eu le temps de se vider de son sang. Hein. Ah, le pauvre. Ils l'ont raga comme un porc. Mais bon. Émission de nuit. On va faire quoi la nuit? Ben, je sais pas. Et vous? Et ben, la nuit, on baise. Joli portrait, pas vrai? C'est moche, mais ça ne lie toujours pas Solomon à la bombe. Vous n'avez rien d'autre, sergent? Dites-moi que je rêve. Y a rien d'autre à dire, vous venez de le voir buter Miller. Réfléchissez un peu, sergent. Vous et votre pote Dima avez laissé vos empreintes un peu vous partout. Vous êtes flic ou quoi? Putain, vous êtes dans quel camp? Écoutez, vous étiez dans la pièce où cette vidéo a été filmée, et dans la banque où on a trouvé les bombes, c'est exact? Oui, c'est exact. On a retrouvé les trois emplacements de bombes, les cartes déchirées, et on a vu Solomon avec Al-Bashir. Le bâtiment a été détruit, vos preuves aussi. Vous n'avez rien. Oui. D'accord, c'était quand? T'en es sûr? Ok, merci. On vient de m'informer que l'un des faux noms de Solomon avait fait surface à New York. J'avais raison. Voilà qui confirmerait votre histoire. Al-Bashir a dit très clairement que Solomon était son bras droit. Ah oui? Quand ça? Quand on l'a capturé. Campo et moi. Ils ont capturé le saumon. Ouais, Solomon, saumon, enfin. Il fait plutôt pour moi. C'est du saumon, enfin. C'est du bon saumon, ça arrive. Où est-ce que vous en êtes? Oh, ici, on en est presque au niveau des gens de ta mère. Bien reçu. On faut plus vite terminer. C'est Cole. Pourquoi il dirige l'équipe d'assaut, putain? C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal tout ça. Ok. Sur les lumières, on doit plonger la zone d'atterrissage dans le noir. Quand tu veux. Je suis une merde. Allez. Joli. Putain. Allez. Grouille. Ils peuvent pas atterrir. Joli.
1-4. La zone est sécurisée. On la surveille. À vous. Bien reçu. Campo. Ah merde, un coup de fil. Les putes et la drogue, ça peut pas attendre, désolé, c'était encore un informateur. Bref, allez, retour au jeu. Allez, on va pouvoir péter ces lumières. Ah merde, c'était les lumières de nuit. Ici en 4, je marque notre position à la fin. Bien reçu. Thermovision. Allez, la thermovision, c'est parti. Faut aller là, ok. Donc, on bouge ou pas? Non, on bouge pas, fais chier. 1-4, on a un visuel. 1-3, dégagez la rue pour nous. Bien reçu. Je me déplace à droite pour avoir un visuel. À vous. Mets-toi en position. Faut dégager la rue. 1-4, on est en position à vous. Bien reçu. C'est parti. Qu'est-ce que tu vois, Blackburn? Merde! Le PLR, 1-4, attendez! Ennemi devant vous, j'engage, à vous. Référence, position des équipes. À droite, 2 étages au-dessus de la rue. Type sur le balcon, tu le descends. Joli tir. 1-4, vous pouvez y aller. Je suis le meilleur sniper du monde. Personne peut me test. Là, paf! T'as tué mon équipier, enculé! Oh non, bouge encore. Jump, 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 jump! N'empêche, regardez comme la ville est belle. J'ai tiré dans le décor là. Ouais, c'est beau. On dirait la map dans Black Ops 2. Ok, c'est bon. On y va. Véhicule, laisse-toi. C'est cruel, viens. Allez, c'est parti. Attends, il y a des types près des marines. N'attaque pas. C'est une dawa dans cette ville. Je te suis. Attends. J'ai vu quelque chose. Merde. Il y a un type qui surveille la rue. Oh, il surveille la rue. Point de référence, le néon sur la gauche. Au premier étage. Un type de découvert. Bute-le. Ok. Sur moi. Vite. Avant qu'il revienne. Allez, go, go, go. Ok, ils ont disparu. Non, ils sont plus affichés sur mon infrarouge. C'est louche tout ça. Allez, j'ai vos fesses en vue. Oh, culé, tu m'as pété dessus. Ici Misfit 1-3. On est au point de reçu. On attend le signal. Deux chasseurs du PLR nous bloquent le passage. Descendez-les. Terminé. Bien sûr. Ok. Et voilà. C'est parti. La rue, droit devant. À 50 mètres. À droite de la camionnette. Merde. Bute-les. Vite. Je
1-4, la voie est libre. Bien reçu, on se met en route. Couvre-les quand ils traversent. Allez, c'est parti. Il y a pas de mission infiltration, je déteste ça. Y a personne dedans surtout. Les escaliers du métro de Paris. Une patrouille ennemie se dirige vers vous. Vous me recevez ? Non. Reçu. 5 sur 5. I got it. Qui fait m'a tiré une rafale de balles dans le ventre et je suis toujours en vie. Je suis pris de gentilles rafales dans le ventre par le mec que j'ai voulu cuter et je suis toujours en vie. That's logic. Ah ok, c'est normal qu'on fasse le travail. Vais-je passer? Ah c'est bon, ça a marché. Le bloc par là. Un trois, ramenez vos fesses au centre commercial. Vous m'entendez? Terminé. Il donne notre destination à la radio. Quel con! Il veut qu'on se fasse buter ou quoi? Bon, c'est de l'autre côté de ces bâtiments. On va passer par là.